Imhotep Bekanefer, soyez les bienvenus dans le Raoult et Tepou du Père Ankh Mtéouti, bien affectueusement l'Académie de la culture noire M et de la culture noire kémétique, le Père Ankh Mtéouti. À notre coutume, dans le Raoult et Tepou, bien que vous ne l'avez pas vu depuis certains temps, nous allons toujours nous introduire avec l'ouverture de la voie. J'invite tous les apprentis maîtres artisans, tous les kaneb et tous les baneb et tous les babas à unir leur énergie avec moi, à unir leur esprit, leur conscience avec moi et à nous lever tous dans le rituel de l'ouverture de la voie. On a track un back head, nook un back head. On a track happy, nook happy, doua nature. On a track circuit, nook circuit. On a track gap sernouf, nook gap sernouf, doua nature. On a track ast, nook ast. On a track upset, nook upset, doua nature. On a track neat, nook neat. On a track domotef, nook domotef, doua nature. On a track nuts, nook nuts. On a track geb, nook geb, doua nature. On a track shoo, nook shoo. 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 Nook shoo. On a track Tefnuts, nook Tefnuts. 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 Nook Tefnuts, doua nature. On a track paunteru. Nook paunteru. On a track umbuunteru. Nook umbuunteru, doua nature. Nook penukut, nook penukut, nougat penuka kut, nougat kut, nougat kut. Nook penukut, nook penukut, nougat penuka kut, nougat kut, nougat kut. Nook penukut, nook penukut, nougat penuka kut, nougat kut, nougat kut. Chep Imhotep Ankh uja seneb neb douanecher. Douanecher à toute la grande famille du Père Ankh Mtéouti. Nous n'avons pas été ensemble dans les Raoult et Tepou pendant quelques temps, ce qui rend encore important les Raoult, la célébration du Raoult et Tepou de ce soir. Le titre, comme vous le voyez, est « Le temps des extrêmes ». Avant de nous lancer dans l'exposé, dans le partage sur les temps extrêmes, j'aimerais ici vous rappeler, en regardant sur mon bras gauche, j'ai mon bracelet de cuivre qui, lui, célèbre, comme vous le savez, nous l'avons célébré l'année passée, nous l'avons célébré encore cette année, la célébration de tous les anciens combattants, de nos ancêtres, les anciens combattants, Kouch Kamit Kombo qui sont tombés depuis la grande guerre qui s'est imposée sur le peuple mélanoderme depuis il y a très longtemps. Cette célébration a commencé et partie du 1er décembre au 9 décembre. Après le 9 décembre, du 1er décembre au 8 décembre, au 9e jour de décembre, nous avons commencé la célébration des reines et rois Kongo. Ces deux célébrations sont très importantes parce que leur arrivée, leur redécouverte, leur célébration va en juxtaposition avec les temps des extrêmes. Dans les temps des extrêmes, les temps des extrêmes, ce sont les temps chaotiques. Nous sommes en train de connaître
la convergence en un seul point des trois phénomènes les plus importants du cycle de notre monde. Nous avons les cycles humains, les cycles de conflits humains qui est en train de converger en un point extrême. Et vous pouvez voir le nombre de tensions interrégionales ou extra-régionales qu'il y a aujourd'hui. La Terre n'a jamais connu autant de conflits dans toute son histoire. C'est, bien entendu, nous connaissons l'histoire sanguinaire de l'Europe pendant la période noire. Mais c'est la première fois dans notre ère, bien entendu, que la Terre est confrontée à des conflits partout, du point de vue régional, administratif, jusqu'au niveau global. Les menaces de guerre sont centrées aujourd'hui, succéder un après un autre. Le deuxième cycle, c'est le cycle des changements climatiques. Nous avons, l'Académie a produit des cartes, nous avons produit des cartes des inondations, les fameuses cartes des Doomsday, les cartes d'inondations qui ont été dessinées depuis, démontrant combien la structure de la Terre va être changée. En fait, chaque 5000 ans, il y a un changement. Et ce changement-là signale la naissance, signale la mort, la destruction et le commencement de nouvelles civilisations. L'histoire qui nous a été racontée, la géographie que nous savons, et même du point de vue du domaine de l'agriculture, n'intéresse que les dernières 5000 ans de l'existence de cette terre et des civilisations humaines. Des cycles sont venus avant. Et chaque 5000 ans, il y a ponctuellement une destruction massive qui arrive. Dans les derniers cas, dans les cycles précédents, il y a eu toujours un cycle qui a porté à la destruction des civilisations et donc préparé les renouvellements civilisatoires. Où il s'agissait des cycles humains, nous avons eu des guerres. Où il s'agissait des cycles climatiques, avec par exemple l'ère glaciale. Où il y avait des cycles économiques aussi qui portaient à l'effondrement des grandes civilisations. Notre civilisation, notre situation aujourd'hui en particulier, parce que nous avons la convergence en un seul point des trois puissants cycles. Le premier cycle, je l'ai dit, c'est le cycle des conflits humains que nous sommes en train de voir s'accentuer à tout égard. Le deuxième cycle, c'est le cycle du changement climatique qui, en fait, n'a rien à voir avec ce que nous avons été dit. Nous avons été dit que le COD, l'utilisation des COD, c'est ce qui a conditionné le réchauffement climatique. Pendant que les COD n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. Les COD ont à voir avec les refroidissements. En fait, plus la chaleur augmente, plus les COD augmentent. Et nous sommes en train de vivre, et ce que nous sommes en train de vivre comme un réchauffement climatique va être suivi d'un refroidissement. C'est ça le plus grand problème. Et ces événements ont caractérisé la fin des civilisations et les débuts des nouvelles après ces cycles-là. Le troisième cycle, c'est le cycle économique. Quand je dis économique, je ne suis pas en train de parler des finances. Quand je dis le cycle économique, je suis en train de parler de l'économie, de la capacité de la terre de produire. Cette capacité frappée par les changements climatiques porte à une réduction de la capacité de la terre à produire la même quantité de nourriture. En fait, si vous allez observer les bourses, vous allez vous rendre compte que depuis l'année 2012, les prix des denrées alimentaires n'ont fait qu'augmenter. C'est vrai que nous avons eu des crises en 2008 aussi, mais du point de vue des denrées alimentaires, nous avons une... Pourquoi là? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? La capacité de la terre à produire de la nourriture a commencé à diminuer encore et encore. Dans une fenêtre allant de 2012 en 2020. De 2012 à 2020, nous avons une période qu'on appelle la période des grands signalements. Tous les peuples du monde, ce sont ceux qui les connaissent, les anciens, ceux qui sont restés attachés à leurs cultures ancestrales, ou ceux qui se sont avancés dans les cultures technologiques, ont compris que depuis 2012, il fallait transformer l'économie agricole. De l'économie des ventes à l'économie des stockages.
C'est ainsi que plusieurs nations occidentaux ont acheté des quantités de terres en Afrique où ils ont commencé à produire de la nourriture qu'ils n'ont jamais vendue, qu'ils ont stockée. Parce que l'on savait qu'arrivé à 2020, à la fin de 2019 et entre 2020, il y a un changement brusque qui va annoncer. En fait, la terre perd maintenant, va perdre à grand échelon sa grande capacité de production alimentaire due à des inondations que nous sommes en train de voir. Nous avons vu des inondations en France, même si les médias sont en train de ne pas diffuser ce genre d'images. Nous avons vu des inondations en France, nous avons vu des inondations en Angleterre. Nous sommes en train de voir des inondations, l'émergence climatique, comment il est en train de frapper sévèrement l'Angleterre dans ces périodes ici, nous qui sommes en Angleterre. Nous avons vu comment les feux ont frappé sérieusement, comment la sécheresse a envahi complètement les territoires américains. Nous avons vu comment l'Afrique est en train de se diviser en deux avec des grosses fractures au niveau de la Kenya. Ces informations ne passaient pas. Nous sommes en train de vivre des inondations que les gens ne comprennent pas au niveau de la RDC à Kinshasa, et ce n'est pas les seuls. Nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a 300 km de plage, 300 mètres ou 3 km de plages qui ont disparu. Ça signifie que nous sommes en train d'assister à la montée des eaux. Et la montée des eaux va faire si que les régions avec les grandes capacités fluviales, eh bien, les fleuves vont sortir de leur bassin et vont s'unir. En s'unir, ils vont forcer les plaques sédimentaires à s'écarter. En s'écartant, il y aura de nouvelles mers. Un nouveau monde va naître de cette transformation. Cette transformation est cyclique. Elle intervient chaque 5000 ans. Et le peuple, comme les Mormons, nous avons vu les témoins de Jéhovah avec la tour des gardes qui ont commencé à stocker de la nourriture. Plusieurs États se sont préparés, la plupart des États se sont préparés. D'une manière ou d'une autre, pas tout le monde, nous n'allons pas exagérer là-dessus, mais il y a une conscience dans cela. Les riches se sont préparés. Nous avons vu avec les constructions des cratères, les constructions dans les montagnes, constructions soumises. Nous avons vu tous. Les pauvres dans diverses régions du monde aussi sont en train de se préparer avec leurs moyens. Et aujourd'hui, je me retourne encore une fois. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Mais durant cette raouette épouse, je me retourne vers le monde noir. Le monde couche Kamit Congo, qui lui est occupé à bien autre, qui lui est occupé à des querelles politiques, qui lui est occupé à des querelles économiques, qui est occupé à des divisions autour de la musique, autour des théâtres, qui lui est occupé à l'individualisme, comment il faut faire pour paraître mieux que les autres. Pendant que tous les autres ont compris que la seule manière de pouvoir conserver une société, la seule manière de pouvoir traverser la zone qui commence de 2020 jusqu'en 2027, c'est à travers la communion, c'est à travers la communauté, c'est à travers la coopération et les soutiens et l'entraide mutuelle. Par rapport à ce sujet que les Raoult et Tepu et la célébration des ancêtres, des anciens combattants, suivie de la célébration dans cette semaine même des reines et rois Congo est très important. Pourquoi? Parce que c'est le seul élément que tout peuple a. C'est le seul élément d'union. Parce que nos ancêtres sont uniques au-delà de nos divisions. Au-delà de nos divisions, étant de la Bangui, de la Côte d'Ivoire, Chaka Zulu, c'est l'ancêtre de nous tous. Soumangolo Kanté Sundiata Keita, c'est l'ancêtre de nous tous. La reine Nzinga, la reine Onandi, c'est l'ancêtre de tous. Et pour ne citer que Kokumbembanzo, Kimpavinta, Kimbango, Yayambangala, Kokumakoko, c'est l'ancêtre de nous tous. Et la liste est longue. C'est ainsi qu'à ce moment ici,
je vais déposer mon ancre et me retourner dans une célébration ritualistique. Il faut honorer cette mémoire pour honorer la vie de ces combattants à travers la libation. À tous les combattants de la résistance Kouchkamit Congo, à travers des années dont la mémoire est allée oubliée, dont l'histoire a été corrompue, dont le passé a été rendu poussière, nous célébrons ses ancêtres. Nous célébrons ces noms que nous ne connaîtrons jamais, mais dont l'esprit vivra à jamais en nous. Nous célébrons ces grandes femmes, ces grands hommes, qui, de leur connaissance, qui de leur savoir, qui de leur effort, qui de leur conscience, ont fait en sorte qu'aujourd'hui nous soyons debout. Nous disons d'où à l'échec. Aux ancêtres et à la monarchie Kouchkamit Congo, dont la disfaite a plongé le monde Kouchkamit Congo dans les esclavages avant tout Percy et après devenir coutume et culture, la culture de l'esclavage, qui nous contradistingue aujourd'hui, qui nous met au pied de ceux qui même à qui nous avons donné les langages, les paroles, les sciences, la culture, les religions et tant d'autres. Nous disons Doua Nechère. À tous les combattants du présent, je cite Sankara, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, la liste est longue. Lumumba. De tout ce que de leur vie ont payé, ce qui de leur vie ils ont payé, leur devoir, leur sens d'appartenance, leur loyauté aux couronnes Kouchkamit Congo, nous disons Doua Nechère. Doua Nechère à vous tous qui êtes aujourd'hui avec nous. Doua Nechère à la conscience qui nous unit. Doua Nechère à tous les reines et à tous les rois, à la monarchie qui est aujourd'hui est appelée à reprendre son rôle, à reprendre sa place, à reprendre sa divinité, pour pouvoir guider les peuples abandonnés vers une possible destination. À travers l'eau, la terre et les fées, Amasu Mpa Mra Sanksu Mnra Mpa Mra Awu Kwaura Manketi Pa Erura Amasu Mpa Mra Sanksu Mnra Mpa Mra Awu Kwaura Manketi Pa Erura Amasu Mpa Mra Sanksu Mnra Mpa Mra Awu Kwaura Manketi Pa Erura Amasu Mpa Mra Sanksu Mnra Mpa Mra Awu Kwaura Manketi Pa Erura Tuau Enter Les temps des extrêmes. Je l'ai déjà introduit dans la clôture que c'est Raoult et Pépou représentent dans la célébration des anciens combattants. Tout
comme la célébration des rois et des reines, la préparation, tout le temps de la préparation a été gaspillé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant les bourrasques. Le climat est en train de changer, vous êtes en train de le voir. Les inondations sont en train d'affecter partout dans le monde. On a reçu une rapide question. C'est depuis quand que le changement a commencé encore? Depuis 2012 à... Le changement, les trois cycles, et nous sommes rentrés, c'est-à-dire, les changements, les 5000 ans ont fini en 2012. En 2012, nous avons fini les périodes de 5000 ans. Nous sommes rentrés maintenant dans la phase de transmission, de transformation. La phase de transformation part de 2012. Pardon, part de 2012 à 2027. Dans la première phase de 7 ans, parce qu'il s'agit de 15 ans, nous avons 7 plus 7, 14, 15. C'est-à-dire, nous avons la première phase qui est partie de 2012 à 2019. 2020 représente le point central, l'œil du cyclone. Et puis, la deuxième phase part de 2020 à 2027. Dans 2027, nous rentrons maintenant dans une nouvelle phase. Ça, c'est le temps de la transformation que nous avons. Ces connaissances que je suis, ce que je suis en train de dire, ce sont des connaissances qui ont été passées des générations en génération. C'est-à-dire, chaque 5000 ans a préparé des informations qu'il a envoyées à la génération, aux civilisations futures, prochaines pour ne pas succomber. Tout simplement parce que nos ancêtres ont remarqué cette redondance, cette récurrence. Et ils se sont inclinés dans l'étude des astres. En étudiant les astres, ils ont compris les secrets des astres. De ces secrets-là, ils ont créé ce qu'on appelle des calendriers. Les calendriers, ou à la base, n'était pas créé comme calendrier de travail. Il n'y avait aucune nécessité de créer un calendrier. Les calendriers avaient été créés pour être en mesure de savoir quand est-ce que ces événements majeurs allaient se passer. Et de manière à savoir à quel moment ils allaient se passer, où ils allaient frapper et commencer les phases de préparation. C'est ainsi que le peuple s'est déplacé à une période donnée. Quand on regarde l'histoire migratoire, nous allons retrouver aussi ces éléments-là à travers l'étude de l'anthropologie et de l'archéologie. Il y avait des déplacements. Le déplacement était dû à ces connaissances qui leur disaient, OK, cette zone-là, c'est une zone qui sera inondée, les gens se déplacent. Et il y avait aussi les réserves alimentaires. C'est-à-dire, chaque cycle a ses propres caractéristiques alimentaires. Qu'est-ce qui se passe quand la Terre rentre dans la phase de transformation de 15 ans? Il arrête de produire ce qu'il avait toujours produit. Et après cette phase-là, il va commencer à produire d'autres formes alimentaires et donner naissance à d'autres formes animales. C'est cette période-là qu'il était nécessaire de faire des réserves alimentaires pour être en mesure de survivre cette phase-là. Où mettre en stock, comme nous avons vu faire beaucoup de civilisations, beaucoup de pays, ils ont stocké des semences de plantes. Hein, nous avons vu beaucoup de pays, entre autres la Suisse, faire un stockage énorme de semences de plantes pour être en mesure de les reproduire dans certaines conditions de laboratoire ou dans un souterrain, reproduire ces produits alimentaires-là dans la phase où, juste parce que on arrive en 2027, c'est pas que nos corps vont être en mesure d'absorber la nouvelle nourriture. Il y aura un temps d'adaptation et on doit y avoir des réserves alimentaires. Et puis, dans les temps, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est passée encore aujourd'hui. Il est en train de se passer encore aujourd'hui. Et nous n'avons pas été préparés. Il n'y a aucun État en Afrique qui est capable de donner des... Même pas dans une phase de difficulté. Il n'y a aucun État en Afrique qui est capable de donner de la nourriture à son peuple. Le peuple doit survivre à lui-même. Maintenant, cette phase-là, l'État, en fait, est une communauté qui travaille ensemble. Et nous n'avons pas ces communautés. Nous n'avons pas cette conception de l'organisation de l'État. Pour nous, les États, les gouvernements, ce sont des agents, ce sont des personnes qui travaillent pour les Occidentaux. Il n'y a personne qui travaille pour le peuple. Il n'y a aucune institution qui travaille pour le peuple en Afrique selon celui d'arrêter les gens, les mettre en prison, les tracasser, les demander de les tracasser de gauche à droite.
Bien entendu, il y a des exceptions. Hein? Ne vous sentez pas touché parce que vous appartenez à telle agence qui est en train de bien faire son travail. Je suis en train de parler en termes généraux. Il n'y en a pas. Ça dit parce que s'il y en a un, trois, quatre agences sur 40 pays, c'est comme s'il n'y en avait pas du tout. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une capacité aujourd'hui. Dans le monde noir, nous n'avons pas une conception communautaire du fonctionnement. Les gouvernements ne fonctionnent pas pour le peuple. D'autant donné que ce qui intéresse le peuple, ce qui arrive au peuple ne les intéresse pas du tout. C'est les sceptiques, je vais te donner un exemple. Il n'y a aucun chef d'État, chef de gouvernement africain, il n'y a aucun ministre africain qui allait à Lampedusa déposer une couronne de fleurs sur tous les jeunes. Parce que ceux qui sont morts à Lampedusa, en traversant, en allant, la région en Italie, ce ne sont pas des vieillards, ce sont des jeunes. Le futur. On dit tous, les jeunes, c'est le futur. Mais il n'y a aucun chef de l'État qui a jamais fait un discours sur ce qui se passe à Lampedusa. Il n'y a aucun effort qui a été fait par aucun chef de l'État africain à fermer ces fléaux, comme à la limite, il n'y a aucun chef de l'État qui allait déposer une couronne de fleurs. Ces morts-là, ça ne les intéresse pas. Mais quand Notre-Dame de Paris a brûlé, nous avons fait la longue file des chefs de l'État africain venir déposer des couronnes quand même personne n'était mort. Nous avons vu maintenant de l'argent sortir de l'Afrique pour venir reconstruire Notre-Dame. C'est-à-dire, nous avons vécu dans l'aveuglété. Nous avons des organes qui, dans la substance, sont communautaires, associatives pour le peuple, mais en réalité sont des chambres de représentation coloniale. Donc, le seul objectif est celui de faire passer les richesses. Nous avons aujourd'hui les fléaux dans le monde africain, celui des guerres. Toutes les personnes sont en train de prier le matin au soir. Les églises et les pasteurs sont à courant. On prie pour que les guerres, rien ne s'arrête. Mais tout simplement parce que les guerres, c'est un... Il faut savoir que chaque mort africain rapporte de l'argent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les business des assurances. Les pays africains, grâce à Michael Tellinger de l'Afrique du Sud, un des groupes Ubuntu qui a fait cette découverte, que tous les pays africains sont enregistrés dans la bourse aux États-Unis. Ce sont des corporations enregistrées par qui? Ils sont enregistrés par les royaux qui les possèdent. Quels royaux? Mais dans assiégés autour de la table ronde de 1885 à la conférence de Berlin, ce n'était pas des politiciens, c'était des royaux. Et ces royaux avaient arraché les titres de souveraineté, les titres royaux de souveraineté aux souverains, aux rois, aux reines et empereurs anciens. Et de cela, ceci leur donne. Il faut savoir étudier la loi monarchique très bien pour comprendre ce que je suis en train de dire. Sinon, ça va être que des Chinois. Et le droit monarchique a disparu en Afrique depuis le 14e siècle. Donc, imaginez du 14e siècle au 21e siècle, quand je parle des droits monarchiques, quand je parle de la jurisprudence monarchique, eh bien, pour les 95% d'entre nous, je suis en train de parler de l'arabe, de l'arabe antique. Eh bien, c'est en vertu de ces lois-là que, par exemple, les étant considérés comme des corporations, le peuple, en fait, ce sont des biens humains. Ces biens humains, comme toute machine à l'intérieur d'une entreprise, est assurée. Et quand cette machine se casse, l'assurance paye. Et les certificats de naissance des pays africains sont des assurances vie. Et quand une guerre se déclenche, et quand les personnes, chaque fois que les personnes meurent, nous on fait, si je vois les gens, on envoie sur WhatsApp les nombres de morts, on fait voir. Et tous ces nombres de morts, ce sont des preuves qui seront portées par ces empereurs dans les assurances pour toucher de l'argent. Et pendant que les Africains pleurent les morts, ceux qui ont siégé en 1885 sont en train de faire de l'argent, tellement d'argent. Tellement d'argent que ces familles impériales sont riches, riches au point où l'on ne peut plus les concevoir aujourd'hui. Et cette richesse, l'ère est arrivée des morts. Pendant que nous sommes en train d'acquiser, nous sommes en train de nous acquiser les uns des autres. C'est le colonel tel qui a tué tel.
C'est tel président qui a tué tel. C'est l'autre président qui a tué tel. C'est Kabila qui a tué tel. C'est Sassou qui a tué tel. Ils ne servent que de couverture à la vraie réalité. La vraie réalité qu'ils couvrent, c'est le business de la mort. Le business de la souffrance. Et ce business est remboursé par des assurances qui ont rendu ces royaux super puissants. Et voilà, nous sommes organisés dans les pays africains autour des structures organisatrices appelées gouvernement, sénat, qui ne sont pas là pour servir le peuple. Et ce qui fait que nous manquons les structures de base. Et donc, nous manquons d'éléments d'analyse. Nous manquons des éléments de perception de la communauté dans ses rôles et devoirs. Et ce manque se fait voir devant les temps des extrêmes. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Les eaux sont en train de monter, elles ne vont pas s'arrêter. Il y a des territoires qui seront touchés. Il y a des cartes qui sont déjà là, au niveau de l'académie, que nous avons déjà publiées. Mais cela ne concerne seulement pas l'Afrique. Cela concerne le monde entier. Il y a des pays en Europe qui ne vont plus exister du tout. Ces informations, tout le monde les savent. Tout le monde se prépare. Et quand vous regardez les zones en Afrique, par exemple, qui sont les plus touchées par les guerres, eh bien, ce sont les zones où, selon les cartes, ils ne seront pas inondés. Quand nous voyons les actions de la MONUSCO en l'est de la RDC, eh bien, l'est de la RDC est une des zones qui ne sera pas inondée, par exemple. Qui ne sera pas inondé, par exemple. Pendant que nous sommes en train de battre et de nous battre sur l'action de Banyamulenge et de tout, et ainsi de sorte, il y a une réalité devant nos yeux que nous sommes en train d'ignorer. Et cette réalité est massacrante. Cette réalité, c'est ce qui détermine les futurs. Et retournant sur ces futurs-là, ces futurs-là ne pourra être assuré que si nous sommes en mesure de composer. C'est ainsi qu'à travers ces Rao et Tepu que je veux que nous prenons conscience des cas du temps extrême dans lequel nous sommes en train de vivre. De ces temps d'extrême, nous ne pourrons pas nous sauver en tant que communauté large. La seule manière de pouvoir nous sauver, quel qu'il nous est resté maintenant, c'est celui de constituer des petites communautés et de travailler rapidement. Travailler rapidement. Toutes les autres communautés sont averties. Quand vous allez aujourd'hui, il y a 5, 10 ans, quand vous trouvez les livres sur les survies, survie en temps de guerre nucléaire, survie en cas de collision avec un astéroïde, survie en temps de crises flagrantes. Il y a 10 ans, les librairies étaient pleines. Amazon était pleine de ces livres. Quand vous allez maintenant, vous ne les trouvez plus. C'est-à-dire, des gens ont pris ces livres, ces connaissances, ils se sont formés, sont préparés. Mais quand nous commençons à rentrer dans les maisons de couches Kamit Congo, ce que nous trouvons plutôt, ce sont des boissons à boire, des CD, des matières telles que telles, nous les trouverons difficiles. Je ne vais pas dire genre, nous les trouverons difficilement. C'est-à-dire, nous sommes devant quelque chose pour lequel nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes absolument pas préparés. Et 2020 est arrivé. Comment pensons-nous aller au-delà, survivre les temps des extrêmes? Je vous rappelle l'histoire de la cigale et de la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, quand il va à la fourmi lui demande, quand il demande un peu de grains possibles pour passer l'hiver, la cigale lui demande qu'est-ce que tu la fourmi demande à la cigale qu'est-ce que tu as fait pendant tout l'été. Il dit j'ai chanté, ne vous déplaise, vous chantez, j'en suis fort ému, et bien dansez maintenant. Nous serons appelés à danser. Et cette réalisation est très importante. Je sais que nombreuses rideront de ce que je suis en train de dire. Je les sens, je les écoute. Je peux les sentir.
Je ne vais pas rentrer dans les termes comparatifs en matière d'idéologie ou de pragmatisme. C'est que je peux vous dire tout simplement que ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Tout est en train de changer. Et si vous n'êtes pas en mesure de comprendre la nature de ces changements, si vous n'êtes pas en mesure de comprendre la direction de ces changements, eh bien, c'est l'anéantissement total. Notre impréparation sur ces plans-là, sur ces futurs-là, fait de nous les peuples les plus en danger. Les plus en danger en absolu. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas. Nous avons perdu le sens d'amour qui est en mesure de faire fonctionner une communauté, les vivre en coopération, les soutiens mutuels. Tous ces éléments-là ont été perdus complètement. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes complètement... Je ne veux pas que ceci soit un message d'alarmisme, mais plutôt un message de mise en garde et de rappel. Le temps, nous ne l'avons plus, mais la conscience, nous l'avons. Ce n'est plus le temps des amusements. Ce n'est plus le temps de faire de l'argent. Ce n'est plus le temps de se faire beau. Ce n'est plus le temps de se faire connaître. C'est le temps des extrêmes. Et dans les temps des extrêmes, les gens viennent ensemble pour trouver les moyens de survivre. Je vais passer la parole à la régie s'il y a des commentaires. Sinon, pour ce soir, pour le Rao était pour ce soir, les messages que j'avais préparés pour vous, eh bien, je les voulais donner. Alors, Douane et Thier, aujourd'hui, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont suivis. Et je vais commencer par beaucoup de personnes qui nous ont dit au TEP et on a répondu. Merci beaucoup. Et il y a un message de merci Kamanja qui dit « Just surprised, I haven't seen anything like this before. » What religion is this? Wow, wonders never cease. Donc, juste pour expliquer, elle est très surprise, elle n'a jamais vu quelque chose comme ça. Et elle a demandé c'est quelle religion ça. Et wow, c'est vraiment, c'était trop beau pour elle et c'était très bien. Yeah, mon tête, ma sisse, this is not it wonderful because you're wonderful, we're wonderful. This is not an expression of religion as the in the term we know it. If we can talk about consciousness, I will call this the religion of consciousness. The religion of what we are. Religion doesn't exist without culture. Any religion that doesn't come out of a culture is a fakery. When you have a culture, you have a religion. Mm-hmm. When you have a culture, you have a language. Mm-hmm. You have a rhythm. No one can tell you that you have oral tradition. Mm-hmm. Every culture in the world, any culture in the world have an oral tradition and a written tradition, as well as a religion. Mm-hmm. The religion is the perception of the energy. It's the way of a system to interpret technology. Si on peut répondre aussi en français. Ce que je disais en fait, si on devait parler des religions, je parlerais plutôt de la religion de la conscience. Parce que la religion est une manifestation culturelle. Si vous avez une religion qui ne découle pas d'une culture, quand on vous parle d'une religion qui est née d'une révélation, rien n'est né d'une révélation. La religion ne peut pas naître d'une révélation. La religion est une capacité de comprendre, de lecture du monde à travers la culture. Notre culture, c'est la culture du Kush Kamit Congo. Et nous parlons de la conscience Kush Kamit Congo. Ça, c'est être nous. C'est les Rao et Tepo. Douanetcher. Douanetcher. Allez, je vais trouver un autre commentaire. Il y a Edition Zola qui dit Otep. Ankuja, c'est Neb Neb. Il y a Kwasi Yahoo qui dit Otep Kinkera, content d'être ici. Il y a Jean-Jacques Gouba qui dit Otep. Il y avait une question, voilà. Il y a une question de Abdullah Malik qui dit I go on late, respect always, in divine spiritual brotherhood. How many languages you speak, my mystical brothers, for eternity, without the pork?
Donc, il dit, je suis venu en retard et comme toujours, respect et aussi le respect à notre spiritualité divine, mon frère. Combien de langues tu parles? Merci beaucoup, mon frère. Doua Necher, Master and Teacher Malik, from USA, Washington, if I'm not wrong. I'm very pleased to have you here with us. And we've been talking French. Coming from Africa, I speak different languages. And I try to learn the Gula. I try to learn the what we call Creole today. So the Martiniquais and Guadeloupe language. I speak Italian, I speak Spanish, I speak English. And different other African languages, a lot, many languages. J'ai répondu à mon frère Malik, qui est un grand maître spirituel, Malik des États-Unis, qui, je disais, j'étais content de l'avoir parmi nous ici. Malik est un grand maître spirituel, un grand chercheur et quelqu'un qui travaille activement dans l'éveil de la conscience Kouchkamit Kogo et qui m'a posé la question combien de langues je parlais. Bien, à part le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, j'en prends aussi à parler le Goula, qui est la mère de la langue anglaise. Et j'apprends aussi à parler les Martiniquais, les Guadeloupéens, et nous avons les Lingala, les Swahili, un peu les Swahili, les Tchouba, et les Zoulous, et bien toutes les langues, bien des langues hein, du monde hein, Kouchkamit Congo, qui aujourd'hui, avec un travail, ont été réunis autour des Tchikam. Le Tchikam est une nouvelle version de la langue. La Tchikam est une compréhension du monde noir. Du monde Kouchkamit Congo sous l'angle linguistique. Dans le sens que dans les Tchikam, nous avons l'union de la littérature parlée Kouchkamit Congo. Douanchère. Donc, on a aussi Lily Konchou qui dit Hotep King, qui dit notre vraie religion et notre culture ancestrale. Douanchère. On a une question d'édition Zola qui dit Hotep. Si nous survivons, la Terre pourra-t-elle être un minimum plaisante encore? Oui. Et puis nous allons avoir la modalité d'affronter cela. Quand je parle de survie, eh bien nous la comprenons avec le cerveau de gauche et nous pensons à survivre. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est une évolution. Okay. L'homme n'a pas évolué du singe à l'homme. En fait, l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, l'homo erectus et l'homo sapiens ont vécu simultanément. Ce qui est en train de se passer, c'est une transformation. Mais en même temps, c'est une évolution. Nous n'avons pas été préparés, pas vraiment à survivre. Nous avons pas été préparés à évoluer. Parce que notre planète, notre réalité est une réalité prison des archontes. Et les archontes se sont arrangés d'une certaine manière, créant un théâtre désolant qui nous a plongés dans la basse fréquence vibratoire. Et une fois dans cette basse fréquence vibratoire, nous n'avons pas été préparés à évoluer. À évoluer. Alors, qu'est-ce qui va se passer réellement? D'ici, je peux dire, il y aura ceux qui seront préparés et vont connaître ce qui a été traduit dans plusieurs traditions religieuses, comme par exemple la chrétienté parle des enlèvements. C'est-à-dire ceux qui vont être partis, qui vont partir, parce qu'ils ont été préparés. Ils vont se retrouver sur une autre fréquence de l'existence. Et sur cette fréquence de l'existence, il y aura un monde complètement différent qui les attend. Eh bien, ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne vont pas être, ceux qui ne sont pas préparés et ne pourront pas évoluer, eh bien, ils vont tout simplement être recyclés dans la prison archontique. Et recommencer encore une vie de travail, des études, où l'on travaille, la prison. C'est ces deux voies-là qui vont se séparer et nous sommes à l'approche de cette séparation. Douanetcher.
Nous n'avons pas d'autres commentaires. Nous n'avons pas d'autres commentaires. Je vous remercie nombreux pour avoir été avec nous. Écrivez-nous des commentaires. Apportez votre contribution. Posez des questions parce que, comme j'ai dit, nous sommes en train de vivre les temps des extrêmes. Cela peut sembler de la littérature pour papier. Mais non, ce n'est pas de la littérature pour papier. Et quiconque prend cela, quiconque prend ce que je suis en train de dire comme de la littérature par papier, eh bien, il va se retrouver tout seul. Au moment venu, il n'y aura plus beaucoup de choses à faire. Nous sommes aujourd'hui devant... Le peuple du monde s'est préparé à se cacher sous la terre. C'est vrai. Il est important de le faire. Mais dans, en ce domaine-là, nous ne sommes pas dans le temps. Mais nous pouvons nous préparer à évoluer. Aller dans une autre fréquence. Abandonner, à sortir de la prison parce que l'opportunité est représentée par les flares solaires. Disons, qui a été présenté comme le réchauffement climatique. En fait, ce n'est pas la planète qui se réchauffe, c'est le système solaire qui se réchauffe. Le grand soleil, qui lui est une étoile, de Sirius, est en train de bombarder notre monde avec des informations, des contacts venant du monde de Sirius, qui nous prépare à l'ascension, qui nous prépare à la transition évolutive dans une autre dimension. Et c'est ce que nous appelons la transformation. Nous ne sommes pas intéressés à nous cacher dans des grottes. Nous ne sommes pas intéressés à nous effrayer, à engager une grande quantité de nourriture, même si cela aurait été possible et très bien aurait accompagné. Mais tout ceci, cette préparation qui devait être faite, avait pour objectif de nous porter à la réalisation que nous devons sortir de la prison et nous retrouver sur un plan de libération. C'est ce monde d'affaires lequel nous sommes en train de nous diriger. Je vous remercie pour avoir été avec nous ce soir. Et j'espère que ces mots vous sont allés droit à la conscience. Et que pour qu'ensemble, nous abandonnons les futilités qui nous entourent aujourd'hui. Combat politique, combat de ceci, combat... Tous ces mécanismes ne sont que des différentes productions trigonométriques du système archontique pour nous maintenir enracinés dans la matière. Aussi longtemps que nous luttons pour la matière, nous sommes enracinés en elle et notre échec est consommé déjà. Et nous nous retrouverons dans ce monde des choses, dans ce monde des matières derrière lesquelles nous courons, que nous n'allons jamais obtenir. Parce que c'est comme ça que cela fonctionne. Les archontes, les Jina Abou, ce sont que les vrais maîtres derrière tout ça. Et utilisent notre planète, nous utilisent comme des esclaves pour alimenter leur propre monde. Ce sont les réalités que nous affrontons au niveau de l'Académie de la culture noire, au niveau du père Hank M.T.O.T. Nous vivons dans un état d'esclavage. Quiconque possède le pouvoir de la vision sait que quand on est en vision, on voit les êtres humains complètement marcher avec les yeux fermés. Parce que nous sommes dans un état de somnambulisme. Quand on est dans le somnambulisme, on voit des choses, mais on a les yeux fermés. Et nous vivons dans un monde différent de celle que nous voyons. Le monde que nous voyons ici, c'est un monde de somnambulisme, mais où notre conscience, où notre attention est coincée pour y vivre en tant qu'esclave. Et c'est cette transformation qui arrive. C'est une évolution, c'est une opportunité, une porte ouverte vers l'ascension. Mais nous devons travailler rapidement pour cette libération. Amasu Mpa Mra Sanksu. Mnra Mpa Mra Aou. Kouaoura Manketipa Eroura. Amasu Mpa Mra Sanksu. Mnra Mpa Mra Aou. Kouaoura Manketipa Eroura. Amasu Mpa Mra Sanksu. Mnra Mpa Mra Aou. Kouaoura Manketipa Eroura. Amasu Mpa Mra Sanksu. Mnra Mpa Mra Aou. Kouaoura Manketipa Eroura.